Le deuxième, c'est que l'homme militaire va se retrouver dans cette demeure communiquée en 5 minutes maintenant. Je dis bien que, au Burkina Faso, en tout cas au pays mondial en général, on a trois types de sécurité. La sécurité matérielle, la sécurité psychologique, et la sécurité spirituelle. On ne veut plus qu'on ne veut pas. Le dialogue entre acteurs au plus haut niveau, jusqu'au niveau famille, fait autour de ces trois types de sécurité. Ce sont les piliers de la sécurité. Je définis la sécurité matérielle. Voici les trois types de sécurité. Au-delà des trois types de sécurité,
tienen desde la letra. La letra es así, ¿eh? Y le abre un sol. Y el meta, le abre el meta, y le cubre, y le sale. Pero si son cubanos, no puede existir. Motivo de meta, porque il y a des mécanismes possibles de régulation pour tempérer, pour se constituer en contre-pouvoir, pour que cette coexistence ne se passe pas dans l'abus. Deuxième type de mécanisme, c'est la régulation du pouvoir économique. Tout ce qui ont des moyens suffisants. Parce que ceux qui montent sur les photos et qui vous attaquent, la plupart du temps, ce sont
ordre. La chefferie coutumière qui est acte, chapitre 9, tout pouvoir civil. Voici mon propos en ce qui concerne les questions de régulation. On constate, malgré tout ça, qu'il y a un effondrement des mécanismes de sécurisation.
infantil estratégique. Reprenez vos stratégies de dialogue entre citoyens et vous. Ça existe. Le laboratoire l'a expérimenté dans beaucoup de contrées, notamment à l'Est. Dès lors que le militaire, le FDR, a d'abord une âme citoyenne, une conscience citoyenne, il devient fréquentable, il devient tolérable, il devient gérable par l'ensemble des citoyens. Ambassadeur Philippe Ouattara, je te dis merci, mais je suis resté si parfait, on va se régler nos comptes à travers les différents forums qui arrivent là, pour que ce type de sujet ne me soit pas. Mais merci, 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 que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ce que nous sommes en train de faire, que nos délibérations soient fructueuses et que chaque peur, chaque forêt, chaque âme présente ici ou dans tout le Burkina Faso, que Dieu exauce nos prières qui sont paix, sécurité,